la foi qui me fait vivre. La sécurité uniquement dans la pensée, juste le 4 août. Chaque chose en son temps. Garde ton cœur avec soin, car c'est de lui que sortent les choses de la vie. Proverbe 4, verset 23. L'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Proverbe 23, verset 7. De nombreuses pensées composent l'histoire non écrite d'une seule journée, et ces pensées ont beaucoup à voir avec la formation du caractère. Nos pensées doivent être strictement surveillées, car une pensée impure fait une profonde impression sur l'âme. Une mauvaise pensée laisse une mauvaise impression sur l'esprit. Si les pensées sont pures et saines, l'homme est meilleur pour les avoir entretenues. Grâce à elles, le pouls spirituel s'accélère et la puissance pour faire le bien augmente. Et comme une goutte de pluie prépare la voie à une autre en humidifiant la terre, ainsi, une bonne pensée prépare la voie à une autre. Les mauvaises habitudes de pensée, une fois acceptées, deviennent un pouvoir despotique qui fixe l'esprit comme une prise d'acier. Il ne faut pas laisser les pensées se déchaîner. Elles doivent être retenues, amenées captives à l'obéissance du Christ. Qu'elles soient placées sur les choses saintes. Alors, par la grâce du Christ, elles seront pures et vraies. Nous avons besoin d'un sentiment constant de la puissance ennoblissante des pensées pures. La seule sécurité pour toute âme est la pensée juste. Nos esprits prennent le niveau des choses sur lesquelles nos pensées s'attardent. Et si nous pensons aux choses terrestres, nous ne parviendrons pas à prendre l'empreinte de ce qui est céleste. Nous tirerons un grand profit de la contemplation de la miséricorde, de la bonté et de l'amour de Dieu. Mais nous subissons une grande perte en nous attardant sur les choses terrestres et temporelles. Bien qu'il puisse y avoir une atmosphère souillée et corrompue autour de nous, nous n'avons pas besoin de respirer ces miasmes, mais nous pouvons vivre dans l'air pur du ciel. Nous pouvons fermer toute porte aux imaginations impures et aux pensées impies, en élevant l'âme dans la pensée de Dieu par une prière sincère. Ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir le soutien et la bénédiction de Dieu marcheront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et auront une communion constante avec le ciel.